Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel, je vais vous parler d'une astuce sur Photoshop pour aller plus vite, pour intervertir les détourages, c'est-à-dire passer du détourage de fond de l'image au détourage de l'objet ou du sujet. Ici, je vais passer alternativement du détourage du décor au détourage de mon portrait. Je suis donc ici avec un détourage du décor. Vous pouvez voir le tracé en forme de pointillé. Pour intervertir et passer au détourage du portrait, il vous faut aller dans le menu Sélection, Intervertir, ou, comme vous pouvez le voir, raccourci clavier touche majuscule et CTRL plus I. Et là, vous voyez qu'effectivement, le tracé est autour du visage sur lequel vous allez pouvoir opérer tous les changements désirés. Pour revenir de nouveau au détourage du décor de fond, vous pouvez utiliser touche CTRL majuscule et I. Sauf qu'ici, il ne faut pas vous tromper de touche. Donc la touche majuscule, c'est bien la touche au-dessus de la touche CTRL. Ne confondez pas avec les touches juste au-dessus où vous voyez un verrou qui sert à mettre en majuscule. Donc, si vous ne voulez pas que le changement soit opéré sur le visage, vous faites retour avec CTRL-ALT-Z et vous revenez là où vous étiez auparavant. Et là, vous pouvez effectivement faire CTRL majuscule et I et passer de nouveau au fond. Et alternativement, entraînez-vous, CTRL majuscule I, vous repassez au visage. Maintenant, vous savez comment passer du détourage du décor de fond au détourage de votre objet. Ceci est très pratique pour pouvoir travailler rapidement sur Photoshop. La formation est terminée, c'est à vous.